Je vous montre le résultat du coiffeur d'hier. Coucou. Bon, voilà, ça revient vraiment comme j'aimais. Donc on a fait un carré, pas un carré hyper court, comme j'ai pu faire déjà. Je préfère cette longueur, c'est naturel, ça fait pas comme... À un moment donné, j'avais vraiment un blond qui était très blond, quoi. Ce qui est bien, c'est que je peux encore les attacher en chignon, comme je fais beaucoup, queue de cheval, et puis les laisser libres, parce que là, ils sont jolis quand ils sont comme ça. Alors, forcément, je les ai lissés. Parce que sinon, c'est pas top. Surtout que ce matin, faut pas croire, on s'est levé très tôt. Et on a fait tout le grenier, on a commencé à désencombrer. C'était une galère, il y en avait partout. À faire tous les étages triés. Et on est parti à la déchetterie. La voiture, elle était mais remplie. On aurait cru un déménagement, un départ de vacances, je ne sais pas. Il y en avait partout. Et ça fait du bien. C'est que le début, là on va y aller progressivement parce que si tu fais tout en une journée, on va se dégoûter. Et ouais, c'est cool. Donc voilà, tout ça pour vous dire que mes cheveux, il y a peut-être encore des petits morceaux de poussière ou de brindilles ou je ne sais pas. Sinon, c'est que j'ai fait mon immatriculation auprès du greffe, donc registre du commerce, ce qu'il faut pour avoir justement ton cabis. Ça prenait un temps fou parce que je sais pas, tu sais pas quoi, t'as peur de faire des conneries, de cocher le truc qu'il faut pas. Il y avait trois pièces jointes à fournir, donc je reçois quasiment 3 heures après avoir validé mon inscription un mot du greffe disant j'ai le regret. Déjà ça commence bien, je fais oh, putain, remontée de stress de vous dire que votre dossier est incomplet, il manque une pièce jointe. Bon, c'est l'attestation de non-condamnation. Je l'avais faite, mais je l'avais faite manuscrit. Il faut la faire en papier libre, c'est-à-dire avec un truc type et tout, avec le nom de tes parents, mais vraiment au prénom près et tout, et tout, et tout. Donc, et puis 3,75€ pour les frais, justement, d'envoi. Normalement, c'était gratuit, mais là, bon, vu qu'il y a une réclamation. Alors, je me suis dit, ils ont regardé tout mon dossier, ça veut dire que c'est bon, et il manque plus que cette pièce jointe. Parce que si jamais j'ai envoyé la pièce jointe, j'ai payé, et qu'on me dit, il manque ça, et ça peut durer... Vous voyez, enfin, j'ai envie de me rassurer en me disant, j'imagine qu'ils auraient dit clairement qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais je ne suis pas complètement rassurée. J'ai hâte quand même que ce soit sûr et d'avoir enfin mon cabis. Parce que vous aurez compris que sans le cabis, je ne peux pas faire le site. Donc sans le site, je ne peux pas lancer ma campagne Ulule. Parce que vous imaginez, je fais une campagne Ulule et derrière, il n'y a pas de site. Il n'y a aucun intérêt. Voilà où j'en suis. Ce blond me plaît beaucoup. J'ai mis une barrette, hein, j'ai pas pu m'empêcher. Bah oui, toujours ce manque de volume qui, moi, me gêne. Après, c'est peut-être dans ma tête, c'est une question. Voilà, je trouve que c'est un peu plat. Mais ça passe. Ah, aussi. Oh, je vais vous montrer. J'ai reçu plein de cartons pour des envois. Mais j'étais pas prête. Le livreur. Bon, par contre, il faut que je passe l'aspi parce qu'il y en a partout hein, avec ce matin. On est en train de recharger l'aspi. Le livreur, regardez, est venu avec une palette. Nous avons plein de cartons ici, mais la palette, la grosse palette, me dit voilà, il me laisse la palette et tous les cartons assemblés. Et je vente dans son carton, dans son, comment ça s'appelle, un camion, voilà. Et il se barre, il me dit au revoir comme ça, je dis mais il récupère pas sa palette. Et non, en fait, quand tu fais une grosse commande, il te laisse ta palette. Et ben j'ai un peu galéré, mais bon, vu que c'est emballé comme ça, c'est très bien. Je vais quand même vous montrer ce qu'on a fait au niveau du grenier, que vous vous rendiez compte. Je vous explique, on a bien bossé. Alors voilà le grenier, très très bel espace. Et toute cette partie que vous voyez, regardez, je vous montre avec le doigt, de là à là, comme ceci, jusque là. Et maintenant on imagine en hauteur jusqu'ici, il y avait des choses telles que ça. Donc on a tout trié, désencombré, en montant tous les étages. Et bah, c'est parti à la déchetterie ou... la plupart des choses, voilà. Ici, eh bien, avec un aspirateur industriel, on va tout nettoyer, tout ce qui est poussière, bois. On a fait donc cette partie que je vous ai montrée. Après, on va s'attaquer à celle-ci, là où il y a le sapin de Noël. Ça, c'est ce que je vais garder, que je dois trier. Là, on a plein de choses qui auraient déjà dû partir, parce que la plupart, c'est des choses qui sont pétées. Là-bas, on a aussi du latte, soumis à latte. Ma coiffeuse, qui est là depuis, que j'ai depuis au moins, oh, je sais pas, des années, qui est toute abîmée. Enfin, c'est que des trucs pétés qui n'ont aucune valeur. Voilà ce que nous avons fait ce matin. Et à 16h, donc dans pas très longtemps, parce qu'il n'est pas loin de 14h, parce que je vous ai dit, hein, ce matin, avec tout ce qu'on a fait, je n'ai pas filmé, j'ai
Encore Ulule. Mais comme avec toutes ces histoires, j'ai pas continué, j'ai pas avancé. Je sais pas si ça va donner grand chose. Oui, je ne vous ai pas montré. J'ai même pas déballé. Pardon ? J'ai pris donc shampoing, j'en avais plus. Ceci. Il s'agit donc d'un. Ça là, c'est le conditionneur. Donc, Marc Sébastien. Ça, c'est le shampoing. C'est des beaux formats. Ça va me durer facile 6 mois. Et j'ai eu quoi ? Un petit mascara Revlon. Qu'est-ce qu'elle a mis ? Blonde, donc reflet pour déjaunir. Voilà. Je me suis changée. Hein. Forcément, je vais faire un zoom là pour. On va dire, la petite formation, ça faisait un peu désordre quoi, avec toutes les tâches de la déchetterie. Il était dans un état quand je l'ai mis au sale. Je pensais pas que c'était autant. Je suis désolée de vous avoir apposé ça juste avant. Donc voilà, tout est prêt. J'espère que cette fois-ci, il y aura pas de problème. Je vous montre. Alors, c'est vraiment très sommaire, mais ça marche très bien. Vous voyez ? Tout ce qu'il y a de plus simple, efficace. Salut, Michel, c'est toi ? J'ai terminé mon zoom et j'ai oublié de vous dire, le meuble de chez Ikea qui était à 20 euros, c'est basique, hein, c'est pour la salle de bain. Ben voilà, c'était essentiellement pour mettre le nouvel aspirateur, moi j'en suis contente. Et puis bah surtout, avoir de la place pour ça c'est tous les accessoires, les produits ménagers, il y a plein de place, c'est pratique. Par contre lui, je le mets ici, l'embout, parce que j'ai peur quand même que ce soit un petit peu trop lourd et que... avec le poids, même si ça pourrait, hein, que ça casse. Donc voilà, ça c'est très bien, c'est pas cher, mais c'est bien pratique. J'ai même pas fait gaffe. Ouais, bon voilà quoi. Même en fermant la porte, ça va. Tu attends quelque chose, bébé ? Eh, dis-t'en ! Viens montrer ta bouille. Oui ? Ça sent les lentilles. Est-ce que je me trompe ? Ça sent les lentilles ? Non, non, tu te trompes pas. Ah ! On a envie d'aller sur une terrasse de bistrot. Je trouve que faire de ça le alpha et le oméga de la lutte et de la politique sanitaire me pose un problème. Je en même temps, rien contre la restauration et de la famille qui sont dans la restauration, mais je pense que d'un point de vue sanitaire, vu... Il est en train de préparer sa petite place, je ne vous explique pas. Ça bosse derrière, ça bosse. Tu fais pas souvent la cuisine. On apprécie. Ah oui, on apprécie la cuisine des autres. Ça, c'est vrai. Ça, on est là. Et nous, tu veux dire un truc ? Il parle trop fort dans la tête. Très mauvais cuisinier. Oui. Par contre, en tant qu'invité, on est bon. Très très bon. Ouais, on est de très bons invités. Non seulement d'apprécier la nourriture. Et tu mets trop fort en plus, ça me saoule ça. J'avais dit les infos ce soir, ça je ne veux pas. Ils parlent fort les gens. Ah oui, parce que c'est intéressant en plus, franchement, ça tourne. T'as l'impression que la situation n'a pas évolué quoi. Alors oui, il y a un vaccin, oui, il y a un machin. L'intéressant, c'est pas de savoir ce que les gens disent, c'est de savoir ce que les gens veulent et qu'ils pensent. Ah oui, ah bah ça, on veut t'orienter, ça, merci, oui, je suis sûre. C'est de savoir ce que les gens veulent, ce que je pense. Ouais. Mais bon, le soir, moi, je suis pas... Non. Le matin, j'aime bien, par contre. Très honnêtement, prendre mon café de les infos, ça, j'aime bien. Et après... Je vous reprends le lendemain. Que s'est-il passé ? Je vous raconte. Hier soir... Bon, bah c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu perturbée. Du coup, tant que c'est pas fait, cette histoire administrative, ça me met un flou dans la tête, je suis pas détendue. Voilà. Et en plus, j'ai hyper mal dans le bas du ventre depuis 2 jours. Genre aux ovaires, ça m'irradie des aiguilles très fortes, ça fait des curalgies jusque dans la jambe. J'ai pris 6 passons, ça fait que dalle, donc là, il faut que j'aille à la pharmacie. Tout ça pour vous dire qu'à minuit, je ne dormais pas. Minuit 30, je ne dormais pas. Et minuit 50, que se passe-t-il ? Je reçois un mail du greffe. Alors, est-ce qu'il avait mis une vidéo, il dormait pas, j'en sais rien, pour me dire qu'il venait de traiter mon dossier. Et j'ai mon numéro Cabis. J'ai lu le truc en 2 fois. Je dis quoi ? Parce que je me suis dit, ouais, c'est chelou, minuit 50. Voilà. Donc ça, c'est bien. Je voulais vous le dire quand même, parce que je vous ai pas saoulé, mais bon, je vous tiens au courant de ce qui se passe. Donc imaginez-vous comme je suis hyper soulagée. Donc ce matin, je me suis réveillée tôt, même si j'étais éclatée, j'ai dû m'endormir à 2h30. J'ai fait ma petite bouillotte et tout, mais bon, ça fait que dalle. Et j'ai fait toutes mes inscriptions, et ça a marché. Ah, je suis trop contente. Alors après, j'attends aussi une confirmation de l'INSEE et tout, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En plus, ce matin, j'ai reçu encore des choses pour la conception de la box, et c'est canon. Voilà. En plus, c'est vrai que tant que c'était pas fait, j'avançais un peu dans l'ombre, vous savez, j'étais pas
totalement détendue, mais ouais, voilà, donc c'est bien, je vais pouvoir reprendre tout ça, je suis trop contente. Là, je vais donc m'avancer sur mon vlog, je vais aller à la pharmacie aussi, et puis on va se retrouver très vite pour la suite. Je suis contente de vous partager tout ça, et puis de vous montrer le projet se concrétiser, je trouve ça cool. Voilà, je vais aller nourrir mon bébé Jackie aussi, et on se retrouve très vite pour la suite des vlogs. Bisous, ciao.